Salut, c'est Boisdin. Et Boisdeux. Aujourd'hui, dans 2 minutes pour dessiner, on va vous faire le commentaire de... Oh. Mais c'est moi. Mais c'est mon commentaire. Ah, oh, je suis trop content. Oui, et qu'est-ce qu'il dit ce commentaire? Eh, dessine-nous Pokémon... Non. Eh, dessine-nous YouTuber Go. Waouh. Une super application qui a sûrement de l'avenir avec plein de YouTube monnaie. Et avant de commencer, souvenez-vous, il y a pas longtemps, dans un 2 minutes pour dessiner précédent... On avait vu que Boisdeux était un Pokémon que j'avais libéré, et bien cette fois ça va être à vous, comme dans Pokémon Go, de le capturer. Boisdeux en position Pokémon. Vas-y, dégueulasse mon canapé. Voilà, attention magie. Et voilà, Boisdeux que vous pouvez capturer, attention, une Pokéball va apparaître maintenant en bas de votre écran. Voilà, à peu près juste là, voilà. Touchez-la, voilà, c'est bon, elle tourne. Et maintenant, faites comme dans Pokémon Go et capturez Boisdeux, attention. Bravo, vous avez capturé un superbe Boisdeux. Je vous le libère pour qu'il dessine quand même. Attention, c'est parti. Alors, j'ai déjà décidé ce que je vais faire comme YouTuber. Je pars sur Squeezie. Alors, pourquoi Squeezie? Parce que j'ai encore l'image de Squeezie dans les Cassos. Les Cassos qui étaient vachement bien faits. D'ailleurs, autodérision Squeezie qui était apparu. Si je me rappelle bien, il n'était pas vachement bien fait, il ressemblait pas du tout à Squeezie. Non, il ressemblait pas du tout. Avant, mais... c'est Squeezie qui avait fait la voix. Si vous avez jamais vu cet épisode des Cassos, c'était vachement sympa ça. C'est Squeezie qui a fait la voix. Par contre, Boisdeux, il te reste 1 minute 30. Attends, pour moi, j'ai même pas commencé. J'espère que t'as aussi réfléchi à ce que tu vas lancer sur Squeezie, parce que ça pourra pas être une Pokéball. Enfin, si, mais franchement, si c'est une Pokéball, c'est pas drôle. Attends, il a des écouteurs, je suis bête. On voit mon ombre, mais c'est pas grave, je regarde. Ouais, il ressemble un peu à celui des Cassos, il ressemble pas mal, ouais. Mais fais-lui plus de cheveux. Il y a plus de cheveux, là. Il y a des cheveux, là. Parce que dans les Cassos, il avait une toute petite houppette, on aurait dit qu'il était à moitié chauve. Et non, voilà. Par contre, on va dire que t'as copié les Cassos. Voilà. Je suis pas sûr que t'auras temps de faire rien à faire. Je suis pas sûr que t'auras temps de faire le siège et tout. Je me souviens qu'il est sur un siège. Enfin, en même temps, Squeezie, il est toujours sur un siège, comme vous le voyez. LOL. Parce qu'il joue à des jeux vidéo. Alors ça, c'est censé être son clavier. Il est beau ou pas? Ouh là là, arrête-toi là. Et il faut faire l'interface de Pokémon Go, enfin de YouTuber Go. Ça, c'est son siège. Oh mon dieu. Il y a plus de place pour faire la Pokéball, là, ou le machin qui remplace la Pokéball. Attends, si tu lui fais sur la tête, je vais le faire... Je vais faire comme s'il rebondissait. Ouais, bah dépêche-toi, tac, tac, tac. Et en fait, c'est le logo de... Vas-y, non mais vas-y. Allez, dis-le. Je crois que c'est ça. Le logo, c'est le logo d'Ubisoft. C'est le logo d'Ubisoft. On le reconnaît vraiment, vraiment. Vraiment pas du tout. Vraiment beaucoup. Voilà, donc c'est Squeezie. Je fais une petite capuche. Je vais signer au cas où. Et voilà, on a choisi Squeezie Tu as choisi Squeezie. Je l'ai déjà dit. Je vois pas quoi rajouter tellement c'est magnifique. On a choisi Squeezie parce que voilà. Voilà, stop. Donc c'est fini, donc 2 minutes pour dessiner YouTuber Go. Donc j'ai essayé de faire Squeezie qui se fait capturer par un logo Ubisoft parce que voilà, toi-même tu sais, il se fait payer plein de trucs par Ubisoft. Assassin's Creed et compagnie. Assassin's Creed. Après voilà, il y a YouTube Money, il y a la pub Money. J'aurais bien envie de vous chanter la chanson. Mais je le ferai pas. Avec Norman, c'est avec Norman. Avec Norman, ouais. Parce que sinon, on va peut-être se faire striker par YouTube. Mais on comprend, l'argent est maître de ce monde. Oui. Donc, il y a quelque part par là une petite critique. Petite, parce que j'aime quand même bien le mec. J'aime bien le mec quand même. Moi aussi, quand même. Mais voilà, petite critique. Voilà, quand on fait des vidéos pour Ubisoft et Assassin's Creed. Au bout d'un moment, ça commence par. On le dit. Déjà, on le dit. Voilà. On modifie pas la description 3 mois après. Voilà, on le dit. Dernière petite précision, oui, donc on s'excuse encore pour le commentaire qui était un peu triché, mais on voulait un peu surfer sur la vague Pokémon Go, parce que nous-mêmes, on adore Pokémon, ouais. Pokémon Go nous a tout à fait ravis, n'est-ce pas? Et nous, on n'a pas de contrat avec Ubisoft, donc... On fait ce qu'on veut. YouTube Money, on en a besoin. Ah, à foutre. Et du coup, pour plus que ça se reproduise, mettez des propositions, abonnez-vous, partagez, envoyez-la à Squeezie, si vous voulez, voilà, et mangez des frites.